Kevin Crovetto, 24 ans, gymnastique. Brice Etesse, 32 ans, athlétisme 800 mètres. Yann Sicardi, 30 ans, judo, moins de 60 kg. J'ai commencé il y a 19 ans. J'avais des amis qui faisaient de la gymnastique, donc ça m'a intéressé d'aller avec eux. Puis au bout d'un an, je suis passé dans un groupe performance. Et mon premier coach, Sébastien Ferracci, m'a donné l'amour pour ce sport. Alors, j'ai commencé il y a plus de 20 ans. La date, je ne me rappelle plus exactement. Parce que mon père a voulu que je fasse de l'athlé. Il en avait marre, je change de sport tous les ans. Et il a voulu que je fasse un sport où il y avait la possibilité de faire plusieurs activités à l'intérieur. Donc le saut, le lancer ou la course. J'ai commencé à 4 ans au judo club de Monaco. Donc à 4 ans, on ne décide pas de commencer une activité. Mais par contre, j'ai décidé d'y rester. J'ai commencé, je faisais également du football, puis j'ai de suite choisi la gymnastique parce que je préférais les sports individuels plutôt que collectifs. Justement parce qu'il y avait une diversité dans le sport même, où ça me permettait de voir plusieurs choses en même temps et ne pas changer de sport tous les ans. Le judo par rapport aux autres sports, c'est un sport de confrontation directe où on se bagarre quoi. Enfin, on nous explique beaucoup qu'il ne faut pas se bagarrer dans la cour de récré, etc. Et je crois que c'est ça qui me plaisait, c'est qu'on pouvait faire au judo ce qu'on pouvait pas faire à l'école ou dans la vie, quoi. Et ça, c'est Marcel Pietri qui dit ça tout le temps. Et voilà, je pense que ça m'a plu. Et au judo, on a l'avantage d'avoir son adversaire en face, de le regarder dans les yeux. Et à beaucoup de moments dans la vie, les adversaires et les gens qui nous embêtent un peu, on les a pas en face, on les a dans le dos souvent. Et je crois que j'aime bien le judo pour ça aussi. Les Jeux Olympiques, c'est une consécration. C'est, je pense, tout sportif rêve de faire les Jeux Olympiques une fois dans une vie. Bah, ça représente un but pour tout athlète, un objectif de la première partie de notre vie. En tant qu'athlète et en tant qu'homme. Je pense que quand on fait du sport, même au niveau amateur, on rêve de faire les Jeux. J'ai cette opportunité et j'ai envie de la saisir et de la saisir de la meilleure façon possible. C'est l'aboutissement d'une carrière. C'est pour les sports qui ont la chance de participer aux Jeux, c'est la compétition. Donc voilà, c'est un peu le Graal quoi, des chevaliers. Et c'est la compète d'une vie. C'est vrai qu'en 2012, ça a été compliqué pour moi. J'ai été malade, j'ai eu pas mal de blessures. Ça a été très dur pour moi de remonter la pente. Donc 2012, j'ai un peu essayé d'oublier. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même la cérémonie d'ouverture. Même dans de mauvaises conditions, ça a été un super moment. Très agréable et bien sûr l'ambiance à l'intérieur du stade quand on est sur la piste, c'était magique. À Pékin, j'étais assez jeune, donc sportivement c'était compliqué. J'étais léger en plus pour ma catégorie de poids, donc inexpérimenté et pas très fort physiquement. Donc sportivement c'était un peu compliqué. J'ai pas fait un mauvais combat, j'ai perdu contre l'Anglais qui était champion du monde. Donc sportivement, c'était un peu décevant, on va dire.
Et à Londres, donc en 2012, c'était un peu mieux sportivement. J'ai gagné un combat. Après, je perds contre le Russe qui fera champion olympique après. Donc, un tirage un peu compliqué. Et voilà, donc c'était, je retiens plus l'aspect sportif à Londres et l'aspect culturel en Chine. Bah, je m'entraîne tous les jours, 6 jours par semaine, environ 25 heures pour pouvoir être au top le jour J. Et on va faire quelques stages à l'étranger ainsi que des compétitions. Comme tout athlète, je les ai préparés sur 4 ans. Donc après 2012, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans. En 2014, je me suis bien remis grâce à Bastien Perrault, qui est mon entraîneur aujourd'hui, que j'ai rejoint sur Lyon avec un groupe d'entraînement. Ça, première année, ça a été un peu dur de me remettre dans le bain avec le groupe. Il y avait pas mal de Kenyans, enfin d'Africains, qui, comme on le sait, sont très forts et m'ont donné du fil à retordre pour revenir à mon niveau, mais qui m'ont aidé. J'ai bien repris, je me suis fait opérer quand même en 2014, j'ai eu un petit problème au genou. Et après, tout s'est bien enchaîné. L'année dernière, en 2015, je suis revenu pratiquement à une seconde de mon corps, à mon meilleur niveau. Et cette année, au point de vue des entraînements que je fais, je pense que je devrais être meilleur que quand j'étais au sommet. À partir du moment où on décide de faire du haut niveau, ben, on se prépare pour les Jeux en fait. Donc voilà, moi ça fait 15 ans que je fais du haut niveau. Donc ça fait 15 ans que je prépare les Jeux. Je m'entraîne à Paris, à l'INSEP avec l'équipe de France. Et puis après, la préparation physique, la technique. Et je la fais à la CBB, à Athletic Club Boulogne-Billancourt. Donc avec mon préparateur physique qui s'appelle Sébastien Calou. Thierry Dibert aussi, mon entraîneur de judo là-bas. Tout d'abord, représenter dignement le pays, ensuite finir dans la première partie de tableau et appréhender l'événement pour pouvoir dans 4 ans être arrivé avec moins de stress. Faire mieux qu'à Londres, c'est un objectif qui n'est pas très difficile, mais qui en même temps me permet de pas trop mettre la pression. Après, l'objectif principal, c'est clairement de représenter correctement le pays. Le représenter vraiment en tant qu'athlète et non pas que figurant. Bah, une compétition de judo, on la commence toujours pour la gagner en fait. Donc il n'y a pas de... Enfin, c'est être champion olympique. Je vais me lever le matin un peu, avec l'objectif de tout gagner. Après, en étant réaliste, évidemment, c'est compliqué. Mais... avoir des rêves réalistes, c'est pas des rêves en fait. Donc voilà, être champion olympique. C'est un honneur, surtout qu'on n'est pas un grand pays, on n'est pas nombreux à le représenter, donc c'est vraiment une grande fierté. Matcher sous les couleurs monégasques, c'est vraiment un honneur. Monaco, ça m'a beaucoup apporté. Surtout le comité olympique, mon club m'a toujours soutenu. Et pour eux, j'ai envie de montrer les couleurs de Monaco au plus haut de mes capacités. Ton attitude sur le tapis et en tant que sportif, elle va déteindre sur les monégasques et sur Monaco en fait. Donc il n'est pas question de craquer ou de ne pas être bon ou de dire ah bah aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui j'ai mal à cet endroit, je vais pas pouvoir être performant. Faut tout donner parce que ton attitude en fait c'est dur à dire, mais les gens ils vont associer Monaco à mon attitude en fait. Donc c'est une responsabilité vis-à-vis des gens qui restent ici quoi. Donc après les JO, je vais prendre un mois de vacances, puis après je vais retourner travailler dans la salle pour me perfectionner, augmenter mon niveau et préparer les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. Je sais que c'est difficile pour un athlète d'arrêter. Il
faut bien arrêter un jour ou l'autre. Je pense que tout de suite après les Jeux, je vais prendre 10-15 jours de vacances, histoire de bien réfléchir. Mais là, dans l'immédiat, dans ce que je veux, je veux continuer encore pratiquement une année pour faire les Jeux des Petits États. Cette année, c'est à Saint-Marin. J'ai commencé les Jeux des Petits États en 2001 avec une médaille de bronze à Saint-Marin, justement. Donc j'aurais fait le tour des Petits États et ça me tient à cœur de finir là-dessus. Et pourquoi pas faire aussi les Jeux européens qui ont un niveau où je peux concurrencer clairement pour le haut du tableau. Encore continuer 4 ans, donc pas encore une Olympiade au moins. Je sais que j'ai encore une marge de progression énorme, notamment psychologique. Ça fait donc 15 ans que je fais du haut niveau et je me suis rendu compte que le plus compliqué en fait, c'est dur à dire, hein. Mais c'est de croire qu'on peut être champion en fait. Et je sais que moi j'ai été éduqué, pas forcément dans ma famille, hein, mais dans mon environnement, sur cette idée que bah, Monaco c'est un petit pays et qu'il n'y a pas de champion à Monaco. Et ça, ça c'est super compliqué à déconstruire en fait. Quand on t'a répété bah, Monaco c'est un petit pays, tu ne seras pas champion, tu peux essayer mais tu n'y arriveras pas. C'est très difficile à sortir ça de la tête. Et je sais que depuis 15 ans, j'ai un peu réussi à me le sortir de la tête, mais pas encore assez. Et je sais que j'ai encore à progresser à ce niveau-là. Et si on me laisse la chance de encore faire 4 ans de haut niveau, je compte bien faire mentir ces gens-là.